Si je vous dis sel et huître, ou encore Moyen-Âge et Église romane. Si je vous dis surtout porte vers Noirmoutier. Vous me suivez ? Eh bien oui, nous voici en plein cœur de Beauvoir-sur-Mer, à deux pas de l'église Saint-Philbert, où nous attend Patricia Jaunet, architecte du patrimoine. À l'origine de Beauvoir, une occupation gallo-romaine. Une position stratégique puisque, si sur une presqu'île, ce territoire séparait les golfes de Machecoul et de Mons. En 675, pour évangéliser le littoral, l'évêque de Poitiers donna ce territoire à Philbert, alors abbé de Noirmoutier. Dès lors, un prieuré est fondé. Suite aux incursions normandes, d'importants moyens financiers sont engagés pour restaurer cette zone littorale. En 1040, une église est déjà rebâtie à l'emplacement de l'ancien prieuré. Pillée lors des guerres de religion, remployée à la Révolution française, c'est en 1926 que l'église Saint-Philbert est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Berceau de la cité, l'église détient assurément un intérêt historique, archéologique, architectural et social important. Et c'est pourquoi la ville de Beauvoir y conduit un projet de valorisation. Comment s'organise un chantier de restauration? Quelles en sont les contraintes et les enjeux? Comment aborde-t-on un site bimillénaire? Réponse en images. Patricia, merci de nous avoir rejoints ici à Beauvoir. Alors, première question qui sera peut-être simple pour vous, mais qu'est-ce qu'un architecte du patrimoine? Alors, un architecte du patrimoine est tout d'abord un architecte DPLG, diplômé par le gouvernement, qui a fait 6 années à l'école d'architecture de Nantes. Et qui déjà, s'il s'oriente vers le patrimoine, c'est qu'il a vraiment une forte sensibilité au patrimoine en général, que ce soit du bâti, que ce soit le patrimoine végétal, que ce soit d'autres patrimoines qui existent. Donc nous voici devant la façade occidentale de l'église. Patricia, comment peut-on lire une façade pour découvrir toutes les périodes de construction ? Alors là, sur la façade de Beauvoir-sur-Mer, qui est très intéressante, on voit bien la première période de 1040-1090, qui est la période romane, cette façade est cantonnée de contreforts plats que vous voyez ici, deux au-dessus du porche d'entrée et un troisième là-bas. On voit que les maçonneries s'arrêtent à cet endroit-là. Donc ça, ce sont les maçonneries qui structurent la façade, remplies d'une maçonnerie de petits appareils. Cette façade-là était assez simple avec ses quatre contreforts plats. Et la porte principale, ici, une porte plein cintre avec des claveaux droits et une archivolte. Et ça, ça fait partie de la première période romane, les deux parties latérales n'existant pas durant cette période romane. D'accord. On verra à l'intérieur qu'est-ce qui faisait partie de cette première partie romane. Je vous remercie. Nous rentrons alors à... Oui, tout à Merci. Fait. Alors, de la période romane, ici subsistent toutes les baies hautes qui ont été murées au XIIIe siècle pour le bas-côté nord et plus tardivement sur le bas-côté sud. Oui, donc on imagine très bien justement la forme. Oui. Donc, la seconde période dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le sanctuaire qui a été démoli au XIIe siècle. Pour être probablement agrandi, justement. Voilà. En fait, 1160-1170, ce transept avec sa croisée qui s'ouvre vers le chœur. Le chœur architectural composé de deux travées droites et d'une absidiole. Et donc cette voûte sur croisée d'ogive qui s'ouvre latéralement sur les deux bras de transept. Ça, c'est la période du XIIe siècle. Cette partie de l'édifice doit prochainement être restaurée. Quelle est la particularité de cette chapelle de la Vierge dont on a tant parlé depuis Alors, le début de l'émission? Cette chapelle de la Vierge est très intéressante au point de vue de sa construction. Elle est du XIIIe siècle. Elle fait suite au bas-côté nord qui a été construit au XIIIe siècle. Et donc les arcades de la nef ont été ouvertes sur le bas-côté nord. Et cette chapelle est très intéressante tant dans son type de construction, sur les maçonneries extérieures, que toute son évolution. Là, vous voyez le retable de 1649
qui était un élément important de cette chapelle. On avait 4 retables à l'époque sur cet édifice au XVIIe siècle. Il en reste un, puis deux, de 1623 celui-ci. Et on voit que cette chapelle, elle est couverte d'une voûte en briques qui date de 1860. Dessous, la particularité de cette chapelle, c'est qu'elle était couverte d'une voûte lambrissée en bois avec une charpente de 1280 qui a été analysée en dendrochronologie. C'est vraiment un petit projet, mais passionnant au niveau historique. Finalement, le trésor caché de l'église de Beauvoir serait cette chapelle de la Vierge. C'est quand même un bel ouvrage historique, architectural, et avec une restitution qui va carrément changer la physionomie de la voûte, du plafond, si on veut, de cet espace-là. Merci, Patricia. Nous voici au niveau du chevet. La chapelle de la Vierge est donc ici. Voilà, la chapelle de la Vierge que l'on peut voir à notre droite là-bas. Ce qui est important ici, c'est que la mairie, en 2007, comme quoi un propriétaire doit être motivé et patient, la mairie acquiert cette parcelle au chevet de l'église, c'est le cas de le dire, et démolit tous les bâtiments, ce qui va permettre de mettre en valeur ce chevet où l'on voit apparaître les modillons du XIIe siècle, les périodes de restauration du XIXe, mais tout ce chevet avec les absides et la chapelle du XIIIe siècle. Il est important de dire aussi que la mairie acquiert aussi une partie pour pouvoir permettre de déambuler tout autour de l'église. Donc ça, c'est extraordinaire. Alors finalement, la découverte de cette partie-ci par les gens de Beauvoir est très récente. Est très récente, 2007, si je me souviens bien. Et c'est important parce que le chevet d'une église, c'est la tête. C'est la tête d'une église. Donc, ce sont des ensembles qui sont très beaux, qui ont une courbe. Donc c'est des espaces, enfin c'est pas des espaces, c'est un bâtiment qui est agréable à regarder, qui a des courbes et ça c'est une vraie douceur. Patricia, merci pour votre travail. De rien. Et bon courage pour la poursuite du projet. Ah oui, j'ai hâte. Merci. Merci beaucoup. Le programme de restauration et de valorisation de l'église de Beauvoir-sur-Mer s'échelonnera sur plusieurs années. Alors de la chapelle de la Vierge à la nef, du clocher jusqu'au chevet, l'église devrait prochainement retrouver toute sa splendeur. Même si méconnu, le patrimoine médiéval du Marais breton est riche. Alors citons entre autres l'abbaye de l'île Chauvet à Boitzenay ou encore la chapelle de Sept Douleurs à Boin. La Vendée est riche de trésors cachés, alors n'hésitez pas à aller les découvrir. À très vite.